Progression de la région. Ah. Ah ouais. Interesting. Du coup, ça m'a filé un point de compétence, apparemment. Ok, c'est pas mal tout ça. Alors, c'était où? On va peut-être finir le truc du bûcheron là avant. Il y a celui-là aussi à faire. C'est marrant, pour les quêtes annexes, il y a toujours des mecs qui pop. Et pour les donjons, j'étais en solo. Oh. Il me faut plus de temps. Ah, je crois que j'ai trouvé la hache. J'ai besoin de temps pour faire ça. Ça va, il s'éclate l'autre avec son bâton là. Ils sont où les deux zigotos là? C'est mon dos là. Ah, c'est bon, il est là, le gars.
Ah, c'est un droïde. Impeccable. On va rendre ça. J'ai la hache. L'endroit devait être sinistre à en juger par la quantité de sang sur la hache. J'ai hâte de déguerpir. J'ai l'impression qu'on m'observe. Maintenant, rapportons ce machin à Ménestad pour toucher notre dû. Merci de votre aide. Mais tout le plaisir est pour moi. Bon, on a évidemment tout un tas de donjons possibles à faire. Mais moi, il y a ça qui m'intéresse. Let's go. Ah, je crois qu'il s'est fait ken l'autre. Désolé, mon pote. Quoi? Criminel fatal. Moissonneur fatal. Et un autre truc, c'est quoi? Emblème? Voilà. Pour faire genre, on a bien progressé. Dites-moi plus sur l'extraction de la gravure. Et la gravure. Comme vous le savez certainement, même les objets les plus ordinaires peuvent renfermer un grand pouvoir. Voici comment le libérer. Le processus décomposera l'objet original en ne conservant que l'aspect le plus pur de son pouvoir mystique. On peut dire que ça revient un peu à arracher l'âme d'un corps pour la transférer dans un autre. Non pas que je puisse rêver d'une telle chose, et certainement pas à proximité de la cathédrale. Ok. Qu'est-ce que j'ai fait de ma gemme? Je crois que je l'ai shooté en fait. Ah non, elle est là. Je la vois pas bien en fait. J'ai un petit contre-jour là parce qu'il y a un objet blanc qui se reflète dans l'écran. D'accord, donc là je peux mettre ça là-dessus. Un codex de puissance ou un aspect depuis l'inventaire. Ah, il y en a qu'on a définitivement, et je comprends bien. Et d'autres qu'on peut avoir à usage unique. Ça passe en jambière légendaire, d'accord. Et ça coûte 3 cristaux voilés.
6, pardon, j'en ai 3 par contre. D'accord, très bien. Sympa ça. L'autre truc, un espèce de changement de classe. Un Ménestad. Il y a une autre quête annexe qui s'est débloquée. Je sais pas si on les voit à distance d'ailleurs. Mais vous êtes qui? Non, ne dites rien. Votre pas est leste. Et vous empestez le sang séché. Vous êtes un tueur. Que voulez-vous? Il paraît que vous pourriez m'apprendre quelques trucs. On va voir si vous êtes digne de mes enseignements. J'ai un boulot pour vous. Aidez-moi et je vous aiderai peut-être. Je suis avec la sororité de l'œil aveugle. L'une des nôtres manque à l'appel. Bakira. Avec de nouveau, elle est partie à la recherche d'un artefact. Une pièce. Aidez-moi à la retrouver. Vous pourriez apprendre un truc ou deux. Ok. Trouver les traces de Bakira. Qui apparemment se trace... se cache là-bas. Se trace. Jeter ses restes au Warg. Pas très propre. Mais pourquoi il y avait des objets là? Ah, ça va être lui. La tombe gelée. Normalement, c'est pas très grand ça. Il me
faut plus de temps. J'ai besoin de temps pour faire ça. Il a vu venir le coup. Alors l'assassin a d'abord visé ses rotules, puis l'a achevé une fois à terre. Qui que ce soit, il a reçu un entraînement de voleur. Ah nice. En fait, j'avais pas dissimulation. Mais là, en récupérant ce truc, et bah je l'ai maintenant. Je pensais qu'il fallait l'avoir et que ça me mettait un plus 1 sur le rang, mais là, pas du tout. Ça me le débloque carrément. Merci. Alors, faut aller par ici. On va passer par le sud. Il me faut plus de temps. Oula! Attends, niveau 20? À mon avis, je vais me faire un peu... Ah non, je suis 7, c'est vrai. 16. Donc il y a peut-être moyen, en fait. Si je fais un peu gaffe, ça devrait le faire. En plus, il y a l'autre qui m'aide, alors autant en profiter, moi. Ah, c'est un ennemi extrêmement rare. Ok. Évidemment, ça c'est trop. C'est combien? Il y a tellement de trucs à l'écran, je vois même pas ce que c'est comme niveau. Je dois encore progresser. Bref, on verra. Avatar de chaleur, dans l'étreinte de l'hiver, la patience récompensée par la nature, notre mère. Suivez la piste. Un instant. C'est un donjon. On ne poursuit pas que le tueur. La pièce aussi est dangereuse. Quand on observe les gens à travers le trou en son centre, on voit leur faiblesse. Mais elle rend cinglée. Je ne sais pas qui nous attend là-dedans. Mais si cette personne a la pièce, elle frappera là où ça fait mal. Préparez-vous.
Ouais, c'est pas mal ce petit anneau en fait qui remonte mes points de vie, même si ça va pas très vite. C'est pas mal du tout. Ah bah il est là le niveau en fait, j'étais pas allé suffisamment bas, il y avait encore plus de choses que je ne pensais. Niveau 20. Oh mince. Il me faut plus de temps. J'ai déconné là. Jusqu'à cette fois-ci. Il me faut plus de temps. Je crois que je fais des critiques de ouf en fait. C'était un truc dans le genre où ça a augmenté mes dégâts. Ça fait 2-3 fois que je me fais avoir par la glace. Hein. Encore une fois. Je ne suis pas prêt. Purée. Va être compliqué ce truc là. C'est lui là. Non, ils sont plusieurs en fait. Ah, c'est une horreur cet endroit. Yeah.
J'ai plus de soins. Il me faut plus de temps. Chaud cela. Ouais, je savais que les 1000 premiers à finir en hardcore, ils auraient leur nom sur une espèce de statue, je sais pas quoi. Ça me change pas la face de la lune. Hein. Non, mais c'est sympa pour ceux qui aiment tryhard. A plus, Mona. Je me suis trompé. Je crois que j'en ai débusqué des violents là. Encore de la glace. Ah, relou. C'est une horreur. Qu'on se le dise. On n'a pas le temps, mon pote, let's go! Putain. Allez, allez, allez! Eh ben, j'aime pas la glace. Les Rana. J'avais la pièce, mais elles m'embrouillaient la tête. Je voyais des vers trouer le cœur des gens. Leurs secrets, leurs cicatrices. C'était si facile d'enfoncer le couteau dans la plaie. J'ai dû arrêter. Je suis désolée. La pièce. Qu'en as-tu fait, ma sœur ? Non ! Non ! C'est à moi ! Tu ne me l'enlèveras pas ! Oula ! Zindana, j'ai tenté de mettre fin à mes jours, d'empêcher que ce conflit ait lieu. Et tu vois ce qu'il en est ressorti de bon. Tu t'es battu jusqu'au bout. Tu m'as bien formé. Quel gâchis. Merci pour la potion. Et maintenant ? On en a terminé. Vous avez vu des maîtres à l'œuvre. Vous en avez même surpassé un. Je n'ai plus rien à vous apprendre. Quant à Bakira, elle doit être enterrée. J'y veillerai. Il faut aussi parler de la pièce à la sororité.
qu'elle décide quoi en faire. Vous vous en êtes bien tiré. Soyez plus futé qu'elle. Compris ? Impeccable. Elle m'a filé un truc du coup. Là, j'ai gagné pas mal de dommages. Hein. C'est vrai que j'avais ça, j'ai complètement zappé. Qu'est-ce que je voulais faire? Mettre mon point de compétence. Imprégnation de poison. Vous imprégnez vos armes d'un poison mortel. Comment je peux faire pour mettre une deuxième barre là? Je sais plus comment je faisais sur l'autre. T'as entendu? Elle est pas contente là, elle m'appelle. Faut quand même pas que je vire une autre compétence, y'a que ça. Je sais plus comment je faisais. Bon. Non, j'ai pas fini ça. Ah, là, ça fait un petit peu plus mal quand même. Hein. Oh, y'a un. Y'a une des armes, je crois, qui accélère mon perso. Non. Il me semblait quand je tue un ennemi ou je sais pas quoi. J'ai rêvé. C'est verrouillé. Je sens qu'il y a un boss derrière ce truc. Là, voilà la clé. Je ne suis pas prêt. Ah oui, les points de combo ils sont là. Ah bah c'est grâce à la spécialisation je pense. Oh, ça disparaît à un moment donné, ça? Merci. Ah, mais oh. Ah, intéressant, ça. Ah oui, ça inflige beaucoup plus de dégâts avec ça.
Le puits aride. Il va falloir apprendre à le maîtriser quand même. Il me faut plus de temps. J'adore ce skill. On commence à looter des objets uniques là quand même. Transformer la dame. Il est balèze ce donjon quand même, hein. Ça fait un moment que je suis dedans. Ouais, ça sent le boss derrière ça là. Surtout vu la salle. Ah bah ça y est, le voilà. Méga mal lui, hein.
ça va. On gère autant que ce peut. Aussi en fait il colle du poison et ça se confond avec le mien. Enfin vite fait. Ça, c'est fait. Hop. Ouais, il y a le petit truc. Tiens. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais aller voir. Ça clignote sur la carte. Ah c'est ça, c'est encore un ennemi rare en fait. Mais c'est le même que tout à l'heure. Ça m'en fait deux. Je vais pas me plaindre, hein. Le secret du printemps. Hello XT. Ça tombe bien là, que j'ai fini ce donjon maintenant. Puisque mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour cette première session de Diablo 4. Ouais, 4 heures, je les ai vraiment pas vu passer. Oui, oui, je viens te donner à manger. du coup, on reprendra pas demain, puisque demain, je vais quand même passer sur Zelda Tears of the Kingdom. On est presque à la fin, donc je vais quand même essayer de le finir. On se calme. Oh. Oh. Et on reprendra Diablo 4 peut-être dimanche. Je vais peut-être alterner un petit peu histoire de passer de temps un petit peu sur les deux jeux. Bref, bah, j'espère que en tout cas ce jeu vous aura plu. Pour ceux qui sont intéressés, passez sur le Discord. On va se faire une petite session en hardcore juste après le live là. Juste le temps de donner à manger à Sa Majesté, n'est-ce pas? Puis moi aussi je dois grailler un petit truc quand même. Enfin, je vais prendre à emporter Taken. On se retrouve demain pour Zelda, pour ceux qui seront là, et du coup dimanche pour du Diablo 4, pour ceux que ça intéresse. Certainement un petit peu plus tôt, comme ce soir 18h30 pour Diablo, mais demain a priori je live à 19h30 pour Zelda. Allez, passez une très bonne soirée, une très bonne nuit, tout ça, tout ça. Ciao, bye bye.